Alors à Lille, la mesure entre en vigueur aujourd'hui dans l'espace public ouvert dans certaines zones de la métropole. Jean Castex, le Premier ministre, sera sur place. À Nice aussi, dès ce matin, 10h, port du masque obligatoire dans certains secteurs. On ne peut presque plus y échapper, mais tant qu'un vaccin n'a pas été trouvé, pas le choix, c'est la meilleure option. C'est l'avis du médecin généraliste et président d'honneur de la Confédération des syndicats médicaux, Michel Chassant. Il nous faut nous y habituer, même si c'est très contraignant, et particulièrement l'été. Mais je crois qu'en dépit de tout ça, on sait que c'est efficace, on sait que c'est simple, ça a le mérite d'être simple, et donc il n'y a aucune raison qu'on ne le porte pas. La véritable libération, nous l'aurons le jour où on aura trouvé le vaccin, et quand même les essais sont quand même assez prometteurs. Mais en attendant, il faut qu'on ait, et les uns et les autres, qu'on soit responsabilisés. Il faut surtout que chacun d'entre nous, eh bien, accepte ce geste simple en attendant ce vaccin. Et notez que la Belgique a interdit les voyages non essentiels vers certaines régions d'Espagne, notamment vers la Catalogne et les villes de Barcelone et Lérida, vers le départ.